Benalla, vas-y, reste tranquille. La sœur de Benalla, bonjour. Ouais, salut, ça va, tranquille. Moi, je suis Benalla. Reste tranquille quand tu parles de mon frère. Alors, comment avez-vous appris l'affaire qui concerne votre frère? Ah, j'étais choqué. Ah, j'étais choqué, traumatisé. J'étais devant la télé en train de fumer, là. Et là, je vois, ça parle de mon frère. Ah, les gars, c'est pas bien. Mon frère, c'est un mec bien. Ok, il est un peu violent, mais c'est sa façon d'aimer, t'as vu? Alors, votre frère avait-il se déguisé en policier quand il était jeune? Ah, bien sûr, mon frère, est toujours depuis tout petit, il se déguisait en condé, t'as vu? Moi, j'étais, je faisais l'Indien, Joe l'Indien. Et lui, il était là avec son fusil, sa matraque et tout, il me tapait dessus. Il m'a fait mal, hein. Est-ce que vous le pensiez autant violent qu'il a été fait pendant les manifestations? Ah, c'est sa façon d'aimer, je t'ai dit. Il est comme ça, mon frère. Et quand il aime bien, il met un coup de gourdin. Quand vous étiez petit, donc lui aussi, vous étiez un peu sur le bouquet mystère? Vas-y, reste tranquille, comment tu me parles, là? Utilise pas des mots comme ça, devant moi, là, je suis une femme respectable, moi, t'as vu, je suis une lady. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous faisait subir quand vous étiez jeune? Déjà, toi, tu me regardes bizarre, là, arrête de me toucher comme ça, je suis pas ta meuf, hein. Ah, vas-y, tu me braques pas comme ça, hein. Est-ce que vous pouvez... Là, j'appelle mon frère, il va démonter tes molaires, hein. Ah bah, s'il veut nous parler, c'est avec plaisir. Mais bien sûr, il va te voir, il va te parler avec les mains. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous faisait subir quand vous étiez jeune? Ah, il m'a tout fait, mon frère. Une fois, tu sais, pour rigoler, je vais cacher un slip. Il a pas aimé, il m'a cassé dedans. Alors, mais c'est avec amour, toujours. C'est la famille. À l'école, il avait des notes un peu catastrophes, avec les profs, c'était catastrophe. C'est pas facile, ça c'est la société, toujours on a été rejetés, mon frère et moi. C'est pas bien, les gens ils jugent sur le faciès, ils jugent sur les actes. C'est pas cool. Merci beaucoup. Au mois de décembre, vous allez sortir un livre qui va s'appeler Une jeunesse bousillée par... Ouais, une jeunesse déglinguée. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi vous allez parler dans ce... Moi, je voulais marquer une jeunesse déglinguée. C'est les auteurs, ils ont pas voulu changer mon vocabulaire. D'ailleurs, ils m'ont fait changer la moitié des mots du dictionnaire, je connaissais même pas, t'as vu? C'est pas bien. Mais en tout cas, lisez mon livre, hein, parce que j'ai besoin de sous-sous. Je vais me refaire des brouins. Merci beaucoup Benalette et l'émission. Laissez madame Benalette, parce que bientôt je vais me marier, là on va me mettre la bague. J'ai un projet avec le fils à Macron, t'as vu, mais chut, reste tranquille. Merci beaucoup Benalette, on se retrouve tout de suite en plateau pour la suite de cette émission. 30 minutes. Eh, t'es grand toi. Il est grand lui.